L'avion russe du Kazakhstan est tombé en panne. Et donc j'attends une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, je crois que j'ai attendu au moins plusieurs dizaines d'heures, je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet aéroport à attendre. Et il s'avère que j'étais en train de lire une exhortation du pape que je connaissais déjà, mais j'étais en train de la relire, parce que j'aime bien relire ce qui me nourrit beaucoup, je vous l'ai déjà dit ce matin, c'est les encycliques sur la mission, et là c'est Redemptoris Missio, Jean-Paul II. Et le début de cette encyclique sur la mission, Jean-Paul II dit, c'est fou. L'homme est capable des plus grandes prouesses techniques, mais il a réduit sa vie à l'horizontale, au niveau horizontal. Et c'est vrai, regardez cet homme qui est capable, on est en train de faire l'anniversaire de la montée sur la Lune. L'homme est capable de prouesses incroyables, et sa vie, elle est horizontale, il n'y a plus de spiritualité. C'est assez impressionnant. Et au moment où je lis ça, je lève les yeux. Moi, j'aime beaucoup me laisser toucher par la vie, en fait, par les choses de la vie. Qu'est-ce que je vois? Il y avait un problème technique sur l'aéroport de Francfort. Si bien que, non seulement l'avion d'Astana était en retard, mais plein d'autres avions. Donc, vous savez ce qui se passe quand il y a un retard comme ça? Tous les avions sont à la queue leu-leu, tout est décalé. Tous les horaires sont décalés, il y a plusieurs heures de retard, et du coup, la tour de contrôle essaie de gérer comme elle peut, de faire passer celui-là en priorité, celui-là et l'autre. Donc vous imaginez la scène, c'est trop drôle. Je regarde cet aéroport et je vois, au moins, je ne vous mens pas, un kilomètre d'avions en file indienne, les uns derrière les autres, en train d'attendre de démarrer. Et j'ai imaginé cette scène. Imaginez qu'on ouvre les grillages de l'aéroport et qu'on dise aux avions, ben maintenant, allez vous promener en Allemagne. Sur les autoroutes, gag, ça serait énorme. Tous les avions qui prennent les autoroutes, pom, 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 pom. Du coup, il faudrait changer beaucoup de choses. Déjà, il faudrait peut-être raccourcir les ailes des avions, ce serait plus simple pour les virages. Et puis surtout, il faudrait imaginer des flics au carrefour monter sur des escabeaux pour faire la circulation, vous voyez, parce que ça serait trop drôle. Ça m'a vraiment amusé d'imaginer ça. Eh bien, voilà, l'homme, quand il perd le sens de Dieu, il est semblable à un avion qui se balade sur les autoroutes d'Europe. L'homme est fait pour Dieu, comme un avion est fait pour voler. Quand tu ne découvres pas cette dimension spirituelle de ta vie, nous sommes aussi ridicules que ces avions qui se baladeraient en Europe. Quand tu tires sur le manche à balai et que tu décolles, que tu ouvres cette dimension spirituelle de ta vie, ce que vous êtes en train de faire ce week-end, alors tu es pleinement toi-même. L'homme est fait pour Dieu, comme un aéroport est fait comme un avion est fait pour voler. Vous voyez, ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, ça c'est pour l'importance de Dieu. Et vous savez, il s'est passé une histoire qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle est vraie. En Méditerranée, un jour il y a des jeunes qui n'ont pas trouvé cette dimension verticale de leur vie. Ils n'ont que la dimension horizontale. C'était des fils à papa, si on peut dire d'une certaine manière, assez riches. Ils ont pris le yacht de papa. Ils étaient trois garçons, trois filles. Et ils sont partis en mer comme ça, sur un énorme yacht, et là c'était cocaïne, c'était bière, c'était alcool, c'était sexe, c'était tout ce que vous voulez. Ils ont fait la Java très très loin au large, et puis ben, le soir il fallait rentrer, et avant de rentrer il y a une fille qui dit « Allez, il y a le dernier bain avant d'entrer !» Ok, ils ont tous sauté à l'eau, et ils avaient oublié de mettre l'échelle. C'est une histoire vraie, on les a tous retrouvés morts évidemment, et ils avaient tous leurs doigts dans la coque à essayer de remonter pendant des heures. Voilà. Ils n'avaient pas mis l'échelle verticale. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une nouvelle règle, une nouvelle loi. Tous les bateaux, vous le savez, ont l'arrière qui est cassé, que ce soit un voilier ou des bateaux moteurs, qui permet à une personne tombée à l'eau de remonter facilement. C'est à cause de ça. Vous voyez, ben, c'est ça, la dimension verticale de ta vie. Donc ça, c'est mon premier point, ma première parabole. Deuxième petite parabole, les signes de Dieu. Comment reconnaître les signes de Dieu? Alors là, j'ai une autre parabole qui s'appelle la parabole des étoiles. Pendant des années, j'ai amené des jeunes de votre âge, hein, jusque mon accident de moto en 2012, malheureusement depuis je ne peux plus trop marcher, ça ne se voit pas trop, mais j'ai des gros problèmes de nerfs pincés, enfin bref, c'est un peu galère. Donc du coup je ne peux plus faire ça, ça me manque beaucoup, c'était très dommage parce que j'aimais beaucoup ce moment-là. Du 26 décembre au 2 janvier, pendant des années, j'ai amené une quarantaine de jeunes de votre âge dans le désert du Sinaï. Faire vraiment une retraite avec les bédouins, j'avais monté ça avec un ami qui est le responsable de Ictus Voyage, donc on avait une famille de bédouins que je connaissais, qui était du Sinaï. Donc on arrivait en avion à Sharm el-Sheikh, là on prenait un bus qui nous amenait au bord de la route, là on prenait un 4x4 qui nous amenait dans le camp, les 4x4 repartaient, et là on avait des chameaux, et nos frères bédouins
qui avait vraiment la foi, une foi simple de musulman, et moi j'étais très touché par ça. Et c'était beau parce que quand le soir, nous, on allait pour faire la messe, à la fin du jour, eux, eh bien, ils allaient faire leur prière, surtout les plus anciens, les jeunes moins, comme chez nous, dans nos, pareil que dans nos églises. Des fois, ben, les anciens vont à l'église, les jeunes n'y vont pas. C'est la même réalité, et de manière très simple, c'était très très touchant. Et donc, dès le premier soir, j'ai cette habitude, on dort en général toujours à l'hôtel. L'hôtel 1000 étoiles. Vous avez compris, j'espère. C'est-à-dire, pas du tout à l'hôtel, pas de tente, mais à la belle étoile, l'hôtel du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau, cet hôtel. Et donc, du coup, c'est incroyable, parce que le ciel est étoilé, mais ça brille de mille feux. Et donc, là, je dis aux jeunes, j'attends le soir, on s'éloigne du feu de camp, et je leur dis, maintenant, allongez-vous, et regardez le ciel étoilé. Alors, ils font ça, ils s'allongent, il n'y a même pas une minute qui passe, et j'entends un cri. Oh, tu as vu? Et là, oh là, il a, oui, là-bas, oh, ah non, je l'ai pas vu, allez, allez. C'est incroyable. Des étoiles filantes. Mais ça pète aux yeux, mais c'est fou. C'est fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étoiles filantes ici à Mandeure? Il y en a autant que dans le désert du Sahara. Est-ce qu'il n'y en a pas à Paris? Est-ce qu'il n'y en a pas à Strasbourg? Bien sûr qu'il y a des étoiles filantes. Maintenant, par analogie, comparons les étoiles filantes au signe de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour voir un signe de Dieu dans ma vie? Déjà, commençons par nous mettre à l'écart. Ce qui fait que je ne vois pas d'étoiles filantes à Paris, c'est la lumière artificielle. Même si je reste à côté du feu en plein désert, je ne vois pas l'étoile filante. C'est étonnant. Hein? Quand on est dans la lumière du feu, on ne voit pas le ciel étoilé. Il faut s'éloigner, se mettre à l'écart. Donc la première leçon, tu veux voir des signes de Dieu dans ta vie, commence par te mettre à l'écart. Par exemple, une petite retraite à Mandeure. Ce que vous faites en ce moment. Un moment dans un foyer de charité, j'ai une grande, grande amitié pour Marthe Robin, que j'ai eu la chance de voir sur son lit de mort, hein, juste après ma conversion. Donc voilà, elle est patronne de l'école Cap Mission avec Jean-Paul II. Et donc, prendre une retraite dans un foyer de charité, faire une retraite ailleurs, dans une communauté, prendre du temps. Posez-vous la question, chers jeunes. Est-ce que, dans la vie que vous menez, bien sûr, vous êtes là en retraite, donc c'est génial, mais est-ce que dans l'année à venir, vous avez pris votre agenda en disant, entre maintenant et l'été prochain, je vais fixer un moment où je me mettrai à l'écart pour faire le point et voir Dieu, voir les signes de Dieu dans ma vie. C'est très très important. Mais vous savez, il ne suffit pas de se mettre à l'écart. Il faut vouloir voir. Moi, j'ai vu des gens passer en plein désert avec leur 4x4, ils ne regardaient rien du tout. Donc, il faut vouloir voir. Ça, c'est important. Seigneur, montre-moi un signe. Moi, je trouve, il y a des fois des gens qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Moi, je trouve ça normal que le Seigneur nous donne des signes. Il est humain, il est, enfin humain, façon de parler, il comprend notre humanité, il a une part d'humanité, il aime bien. Donc c'est pas du tout faire du chantage avec tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu, mais c'est simplement Seigneur, mais moi j'ai besoin d'être encouragé dans ma foi. Et le Seigneur nous donne des signes magnifiques, je vous en ai donné quelques-uns ce matin, vous voyez. Alors, donc ça c'est pour les étoiles filantes, les signes de Dieu. Mais vous comprenez bien que, une fois que les jeunes ont levé les yeux, se sont mis à l'écart, ont vu des étoiles filantes, d'un seul coup, ils oublient les étoiles filantes. Qu'est-ce qui les captive? Les étoiles fixes. C'est magnifique. Alors, je ne suis pas très connaisseur, je suis désolé. Certains trouvent que vous êtes meilleurs que moi. La Grande Ourse, Orion, l'étoile polaire, tout ça. Toutes ces étoiles incroyables qui sont là et qui guident depuis des générations et des générations tous les marins. Il paraît qu'il y a une compétition, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est genre la route du Rhum, je sais plus, une compétition de voiliers qui est internationale et qui utilise que la navigation au compas avec des étoiles. Je trouve ça excellent. De laisser toute la technique, le GPS et tout ça, et de rien que, voilà. Qu'est-ce que c'est les étoiles fixes, chers amis? Eh bien, c'est ce que les évêques nous ont dit ce matin. Que ce soit le petit mot de l'homélie, par exemple, ou le Monseigneur qui a fait l'introduction. Eh bien, c'est tout ce que le Seigneur nous donne. Les étoiles fixes, c'est la parole de Dieu. Les étoiles fixes, c'est la communauté. N'oubliez jamais ça, hein, la communauté. Quand je dis communauté, c'est très important. La communauté, ça veut dire que je ne peux pas, trop de chrétiens malheureusement, vivre la communauté comme ça. Alors, pardon, hein, parce que je déteste donner l'impression que je fais la leçon et c'est pas beau. Mais c'est un peu une réalité. On arrive si possible 5 minutes en retard à la messe, parce qu'on est un peu à la bourre quand même. On suit tout ce qu'il faut, et puis on repart si possible 5 minutes, enfin pas 5 minutes à l'avance, qu'on part à l'heure, mais on part en trace parce qu'on a d'autres choses à faire, quoi. Faire communauté comme ça, c'est un peu compliqué. Quand j'étais vicaire en paroisse,
J'avais dit à mon curé, mais lançons un apéro, au moins une fois par mois dans cette paroisse, c'est un peu difficile, voilà. Et donc on a lancé ça, un apéro, et j'ai dit aux paroissiens, mes chers amis, faites chin-chin, chin-chin à la sortie de la messe, avec la personne que vous ne connaissez pas. Vous faites pas apéro avec ta meilleure copine, vous allez faire chin-chin à la personne que vous connaissez pas. J'ai entendu hier, c'était super, ce qui animait les jeux de rencontre, ça super, c'était génial, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et bien c'est ça, c'est faire connaissance, faire rencontre. Et là, le dimanche d'après, j'ai deux mamies qui viennent vers moi et une qui me dit, elles étaient complices toutes les deux, c'était trop drôle. Mon père, on voudrait vraiment vous remercier. Ah oui, pourquoi? Parce que vous voyez, moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette paroisse, je suis toujours devant à gauche. Mon amie, ça fait 15 ans qu'elle est dans la paroisse, elle est toujours devant à droite. Eh bien, on s'était jamais parlé. C'est trop mignon, hein. Et à la fois, ça montre comment on fait communauté. Nous, à notre paroisse Sainte-Bernadette des étudiants à Montpellier, maintenant, on nous critique un peu, enfin, on s'amuse un peu parce qu'ils nous disent qu'on est la paroisse apéro. C'est plus une fois par mois, c'est tous les dimanches, à la messe du matin pour la messe des familles, et tous les dimanches soirs, avec mes étudiants, apéro. Pourquoi? Parce que c'est la vie, quoi. C'est pas une histoire d'apéro, mais c'est une histoire de rencontre. Et de plus en plus, vous avez fait l'expérience hier, dans les nouvelles paroisses aujourd'hui, de plus en plus des prêtres commencent à dire, voilà, au nom du Père, du Fils, cet Esprit, ok. Bon, mais avant d'aller plus loin, vous allez vous tourner votre voisin, vous lui demandez son prénom, et vous lui demandez, voilà, c'est génial, c'est génial. Donc, faire communauté. Ça fait partie des étoiles fixes. Et je pourrais en donner d'autres, voilà. Mais j'arrête là. Parole de Dieu, service du pauvre aussi, n'oubliez jamais ça, service du pauvre. J'ai tendu l'oreille tout à l'heure, il y a un évêque, je ne me rappelle plus lequel c'était, je crois que c'est l'évêque de Nancy, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, Monseigneur de Nancy, qui faisait un interview avec le journaliste qui était de la Croix. Et j'étais trop touché parce qu'il a dit que justement, ce qu'il touche dans la jeunesse d'aujourd'hui, bien c'est ce lien entre l'adoration, la parole de Dieu, le service du pauvre. Il expliquait que c'était une génération qui n'était pas comme autrefois, peut-être que le social ou que l'adoration ou que si. Et c'est ça, votre jeunesse, elle est magnifique à cause de ça. Vous êtes capable de passer toute la nuit à l'adoration, vous êtes capable d'aller servir les SDF, vous êtes capable de louer le Seigneur en même temps, d'être raide droit comme un piqué au moment d'adoration, comme les scouts d'Europe, ou joyeux comme les scouts de France. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est cool! Il n'y a plus de barrière. On est capable, les jeunes générations de prêtres, ils sont capables d'être en clergyman ou en soutane, et ils s'aiment et ils se font pas d'idées. Voilà, il n'y a plus de nœuds, c'est génial. Donc voilà, les étoiles fixes, elles sont nombreuses. Posez-vous la question, et c'est ça qui est génial. Plus vous allez avancer, plus vous allez découvrir les étoiles fixes. Je pourrais en citer plein d'autres, hein, la direction spirituelle, ça, mais bon. Plus vous allez découvrir les étoiles fixes, moins vous aurez besoin des étoiles filantes. C'est ça qui est fou. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne vous en donnera pas. Mais vous aurez moins besoin de « Seigneur, ouais, mais j'ai l'impression que tu me laisses tomber, j'ai pas d'autre... » Non, parce que les étoiles fixes te nourrissent et tu avances. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Amen, amen. Alors, maintenant, une autre parabole, j'enchaîne. Qui c'est qui a une paire de clés à me prêter? Quoi? Des clés. Une paire de clés, enfin n'importe quoi, une clé. Une clé, n'importe laquelle. Voilà, très bien. Bon, elle est un peu bizarre ta clé. Non, ça va pas. Il faut une vraie clé. Ça, c'est pas une clé, c'est une truc de voiture. Voilà, merci. Non, en fait, je dis pas que c'est une vraie clé, mais c'est pas ce que j'ai besoin. Alors, je vous explique. La question, c'est comment je peux évangéliser sans être un témoin de Jéhovah? Bon, déjà, les témoins de Jéhovah, je regrette, hein, mais ils ont du courage. Parce que ils mettent en application ce que Jésus disait, aller deux par deux dans les routes et témoigner. Donc c'est un peu nous qui avons délaissé le truc. Ce qui me met pas très à l'aise, c'est qu'ils ont un peu une manière, de moins en moins je trouve. À une époque, j'étais mon presbytère une fois, j'ouvre la porte, ils sont tous les deux, là ils frappent. Bonjour, on vient vous parler, vous êtes témoin de Jéhovah? Oui, moi ça va, je suis prêtre. Et alors, vous avez quand même besoin de nous entendre parler, c'est pareil. Enfin, ils étaient vraiment, ils avaient peur de rien, quoi. Incroyable. Je dis, non, mais vous me gonflez, moi. Enfin, ils y vont à fond, quoi. N'empêche qu'aujourd'hui, on en a chez nous, à Montpellier, ils sont plus cool. Ils sont souvent à un angle de rue, ils ont leur présentoir, et je les trouve moins agressifs, donc ça, c'est déjà bien. En tout cas, moi j'admire leur courage, voilà. Après, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, pas du tout. Mais j'admire leur courage. Alors, je dis quoi? Moi, je dis qu'il faut trouver un moyen de proposer. Je vous ai déjà parlé. Comment proposer? Il y a plusieurs méthodes. Mais je vais vous donner pourquoi proposer, et après, je vous dirai comment proposer. Ok. Imaginez, vous êtes à Nantes, dans l'époque où il y avait le bagne en Guyane. Vous savez, les bagnards, comme Jean Valjean, ils arrivaient avec leurs boulets, là, et ils marchaient comme ça. Ils allaient sur le port de Nantes pour aller prendre le bateau pour partir donc en Guyane. Et vous,
Vous étiez aussi un bagnard, mais Dieu vous a libéré. Vous avez libéré votre boulet, vous êtes libre. Et vous passez à côté d'eux en sifflant. Voilà un petit cadeau. Content, moi je suis chrétien, le Seigneur m'a libéré. Vous faites votre vie, moi je fais la mienne. C'est ça le respect? Est-ce que c'est ça, respecter l'autre? Est-ce que le respect, c'est pas plutôt de dire « Amen, I have the key ». Tu lui proposes ta clé. Si la personne n'en veut pas de ta clé, ouais, « j'en veux pas de ta clé », c'est son problème, c'est plus le tien. Toi, tu l'as respecté parce que tu lui as proposé. Proposer sans jamais imposer, mais c'est tellement important de proposer. Il veut être habité par ça. Moi, quand je prends le train tout le temps, je vais rentrer, je dis « Seigneur, comme tu veux, mais si tu peux, bah, que je... alors c'est un peu facile, parce que c'est plus facile pour moi, quand on est prêtre, c'est plus facile. Voilà, mais simplement de « Bonjour, vous allez où ?» de faire connaissance, de voilà. Quand on est dans une entreprise, qui est la propriétaire? Tiens, hop là, la jeune fille à la médaille, c'est ça, voilà. vous êtes en entreprise, d'accord? Vous savez, comment je vais parler de Dieu? Moi, je vous donne un truc tout simple, hein. Levez la main tous ceux qui vont rentrer au boulot lundi. Ben voilà, je vous donne la formule. Vous arrivez lundi au boulot, vous allez voir votre collègue de travail et vous lui dites « Hein, t'as fait quoi ce week-end hein ?» C'est tout. Et vous laissez faire. Logiquement, la personne va te raconter sa life. « Ben moi, ce week-end, ouais, j'ai fait de la rando, j'ai marché, j'ai... » Et après, logiquement, si tout se passe bien, si la personne est normale, elle dit « Et toi, t'as fait quoi ?»« Ah, c'était trop bien, j'étais un mandeur, et avec 8 évêques, la totale !» Comment? Et là, vous pouvez, oui, très simplement, partager ce que vous avez vécu. Si la personne accroche, vous continuez. Elle n'accroche pas, vous arrêtez. Mais vous avez proposé. Oui, manière très simple. Donc voilà pour la parabole du boulet. On continue. Maintenant, quand je dois témoigner, il y a des sujets qui sont un peu chauds. Il y a deux sujets qui sont un peu chauds. Le sujet des religions, pourquoi votre religion serait la meilleure, et surtout le sujet de la souffrance. Alors ça, c'est un sujet qui est très compliqué. Si Dieu est bon, vous dites que Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Alors là, j'ai une autre parabole qui peut permettre et d'aider à répondre à cette question. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est une petite piste. Je raconte toujours cette histoire. Imaginez un père de famille qui a son fils qui a 15 ans, ou plutôt 17 ans, on va dire 17 ans, et qui fréquente des punks. Alors, je crois que c'est un peu moins votre génération, mais nous, on a connu ça dans notre jeunesse. Ça existe encore hein, chez vous hein? Pas trop. Hein? Ça, ils sont à fond, donc ils sont complètement frappés. La drogue, l'alcool, la violence. On est dans des musiques hyper hard, hyper violentes. Et donc, le gamin, il se détruit complètement, il dort plus. Il est dans la drogue, l'alcool. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme bon père, il dit « Mon fils, je t'en supplie, arrête de fréquenter ce groupe, ça te fait pas du bien, etc. » Il parle comme Dieu parle avec chacun de nous. Il parle par sa parole, il parle par ses ministres, par ses apôtres, pour nous dire ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Mais le gamin, il continue quand même, et un jour, il rentre dans un tel état que son père n'en peut plus, il dit « Écoute, puisque c'est comme ça, il le prend, il l'enferme dans sa chambre, ferme la clé. » Évidemment, le gamin, il saute par la fenêtre. Et là, il se déchire plus que d'habitude. Quand je dis déchirer, c'est concrètement, je ne sais pas si vous savez, mais c'est assez horrible. Dans leur danse, les punks, ils ont une habitude, ils ont des lames de rasoir accrochées à leur blouson et ils se frottent comme ça. Et donc ils saignent, etc. Ça fait partie d'une sorte de rituel, c'est assez glauque. Et le gamin revient en sang, comme ça. Et le père, quand il voit ça, il panique. Il prend son fils, il le monte dans la chambre et il l'accroche avec des menottes au radiateur de sa chambre. Et il lui dit « Mon fils, je t'aime. C'est par amour pour toi que je fais ça, pour que tu arrêtes de te détruire. » Et le fils, il hurle, « Lâche-moi, laisse-moi partir, je te hais !» Mais c'est que ça. Alors maintenant, faisons l'analogie avec Dieu. Dieu nous parle comme ce père, mais il ne peut pas ni nous enfermer dans une chambre, ni nous accrocher à un radiateur. Il ne sait pas faire. Donc quand on me dit, il vient d'où le mal? En grande partie, il vient de notre liberté. Et Dieu, je l'ai déjà dit plusieurs fois ce matin, ne peut pas nous enchaîner, il ne peut pas nous violenter. Il y a un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup en Suisse qui a fait une BD assez marrante. On voit, c'est genre un peu Gottlieb, je ne sais pas si vous connaissez Gottlieb, c'est une BD en noir et blanc. Et donc, je ne me rappelle plus comment s'appelle cet auteur, je l'ai à la maison, un humoriste chrétien, protestant. Et super... Peut-être, ouais. Et donc, du coup, on voit deux gars qui font la guerre avec des tanks, deux hommes, avec des tanks. Alors Dieu arrive et supprime un coup de baguette magique, il n'y a plus de tanks.
Alors ils ont des armes. Alors ils suppriment les armes. Alors du coup ils ont des couteaux. Ils suppriment les couteaux. Ils ont des poings. Ils se battent. Ils suppriment les poings. Ils les lient. Alors du coup ils se hurlent dessus. On voit les bulles sur la mer. Alors du coup ils baillonnent. Alors là ils ont la tête. Et là il défait la cervelle. Il retire la cervelle. Et là tu vois les deux gars. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas nous, comment on appelle ça, lobotomiser pour qu'on soit des êtres bons. Il ne peut pas. Il peut... Mais des fois, il y a des gens qui voudraient que ça soit ça. Le truc bête, si Dieu est bon, pourquoi il laisse faire comme ça le mal? Mais le mal, il ne vient pas de Dieu, il vient de nous. Franchement, réfléchissez bien. Moïse, le don de la loi sur Sinaï, c'est en quelle année? Allez, qui se lance là? Combien? 1800? Enfin, 1800 avant Jésus-Christ, on va dire. Hein. Moi, j'aurais dit 1700, mais 1800, ça me va très bien. 1800 avant Jésus-Christ, on est en combien? 2000 après Jésus-Christ. Donc, en 3800 ans, quand est-ce qu'on a appliqué le code de la route que Dieu nous a donné? Ne convoite pas la femme de ton voisin. Il y en aurait des problèmes en moi. Hein. Ne mens pas, ne tue pas. Enfin, c'est incroyable. Adore Dieu, prie Dieu. Donc, du coup, si je prie Dieu, il me donne l'intelligence de toute chose. Vous voyez? Donc, si jamais les problèmes viennent, il y a tant de problèmes dans le monde aujourd'hui, je dirais que 80% du mal aujourd'hui vient de ce que l'homme fait. Vous allez me dire, oui, mais il reste quand même les catastrophes naturelles, les cancers, etc. Oui, c'est vrai. Mais même là, Dieu peut nous surprendre. Déjà, il faudrait voir dans les catastrophes naturelles ce qui ne vient pas de l'homme. On en est de plus en plus conscient aujourd'hui. Et même dans les cancers. Voilà. Mais sinon, moi j'aime beaucoup ce passage de Matthieu 13. Jésus parle, demandez, vous recevrez. Et là il dit, si vous qui êtes des hommes, quand votre fils vous demande un poisson, vous êtes capable de donner, vous n'allez pas lui donner un serpent. Donc si vous qui êtes que des hommes, vous êtes capable de donner ce qui est bon à votre enfant, combien plus votre Père qui est aux cieux vous donnera, et là on a envie d'entendre, vous donnera du poisson. Eh bien non. Vous demandez du poisson, il ne vous donnera pas du poisson. Vous donnera l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? L'Esprit qui vous donne de discerner, d'être capable de supporter ce qui est l'instant présent. Peut-être que tu seras guéri. Peut-être que tu as demandé, mais peut-être que tu ne seras pas guéri du tout. Mais l'Esprit Saint, si tu es dans la prière, la puissance de la prière, te donnera l'Esprit Saint qui fera que tout ce que tu vis, même si un arbre te tombe sur la tête, tu peux le vivre dans la paix avec Dieu. J'aime beaucoup ce psaume 23 que tout le monde connaît. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, c'est trop cool. C'est la petite maison dans la prairie, quoi. Mais c'est génial. Les petits oiseaux cuicui, la vie est tellement fait tranquille. Waouh, que du bonheur avec Jésus. Puis juste après, lorsque tu traverses les ravins de la souffrance et de la mort, mon bâton et ma houlette sont là qui te rassurent et te consolent. Dieu ne nous dit pas, je suis chrétien, ça va être cucu les petits oiseaux, j'aurai pas de souffrance, ça va être génial. Dieu nous dit, ok, je veux ton bonheur. Il y aura peut-être dans ta vie des passages où tu traverseras le ravin, la souffrance et la mort, mais sache une chose, ce ravin-là, cette mort-là, moi je l'ai traversé. Moi, Jésus, j'y suis allé avant toi. Donc je connais le chemin, et je te promets une chose, je te tiens par la main. Ne doutons pas, quelle que soit la réponse de Dieu à nos prières, plus nous prierons, plus nous donnerons en capacité, non pas de changer les plans de Dieu, mais de vivre toute chose avec Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu le poisson. Il a répondu l'Esprit Saint. La grande richesse de l'homme, c'est de vivre avec l'Esprit Saint. Voilà. Donc, ça c'était la parabole du radiateur, ou si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Je continue. Maintenant, je raconte une parabole qui s'appelle la parabole du chemin, ou pourquoi y aurait-il plusieurs religions. Alors moi, j'ai eu la chance de faire le chemin de Saint-Jacques en 1999. J'étais prêtre, j'ai demandé, j'ai pris mon mois de vacances, voilà, sur les chemins de Saint-Jacques. C'était une année jacquaire. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une année jacquaire? Non? C'est une année où le 25 juillet tombe un dimanche, donc il y a des grâces particulières que le Seigneur donne à ce moment-là, donc c'est cool, j'en ai profité. Je suis parti du 14 septembre du 15 août, pardon, de Lourdes à pied jusqu'au 14 septembre à Compostelle. C'était assez long, assez compliqué. Je suis parti seul. Je voulais vraiment le vivre comme une retraite.
demander au Seigneur la grâce de la conversion aussi, et il faudrait que j'y retourne très vite d'ailleurs, parce que c'est jamais fini de se convertir, vraiment on en a tellement besoin. Mais c'était un, moi je le conseille pour mes frères prêtres, c'est un jour l'occasion de le faire, c'est fou, c'est très fort, c'est dur physiquement, j'ai vraiment morflé, mais bon, c'était à l'époque, je n'avais pas mes accidents de moto, donc c'était possible, aujourd'hui je ne pourrais plus, mais c'était vraiment un bon moment de grâce. Et alors du coup, je pars des Pyrénées, je monte les Pyrénées, je suis fatigué, j'ai déjà mal aux pieds, j'ai mon sac à dos qui était un peu trop lourd, bref, j'arrive en haut des Pyrénées, et quand on est en France, le chemin de Saint-Jacques, il est balisé avec des chemins de GR, rouge et blanc. Mais quand on arrive au sommet, je suis passé, vous savez qu'il y a trois chemins. Un chemin qui part de Paris, de Vézelay et du Puy. Ils se rejoignent à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est à droite des Pyrénées vers Biarritz. Et il y a un autre chemin, qui est le chemin d'Arles, qui passe par loin de Lourdes et qui, lui, passe par le col du Somport. Donc moi, je suis passé au centre des Pyrénées, par le Somport, c'est la tradition. Et là, quand j'arrive en haut, waouh ! Quand on arrive au sommet, on voit les flèches jaunes du chemin de Saint-Jacques. Quelqu'un l'a déjà fait ça, le chemin de Saint-Jacques ? C'est extraordinaire. Donc du coup, c'est pas pareil. C'est plus le chemin laïque, tu sais, qu'on ose à peine parler que c'est un chemin de Saint-Jacques. De temps en temps, t'as une petite coquille en France. Mais c'est comme si on avait presque, enfin pas honte, mais voilà. Là, c'est les grandes flèches jaunes. Du coup, il y a certains qui ont des t-shirts avec la flèche jaune. C'est le chemin de Saint-Jacques. T'es heureux, quoi. Tu vois, tu vois une grande flèche jaune. Alors t'arrives, tu descends. Waouh ! Notre flèche jaune. Waouh ! Tu vois 830 km Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu dis yes, plus que 830 km, c'est énorme. Donc je descends les Pyrénées, je suis à fond, je suis tellement heureux et tout. J'arrive en bas des Pyrénées, dans un sous-bois. Et là, je vois un groupe de marcheurs. Je devais avoir 22-23 ans. Moi, j'avais déjà une trentaine d'années. Et deux jeunes garçons, deux jeunes filles. Et les deux filles étaient en train de se changer. Alors, elles étaient en brasseur dessous, mais elles avaient chaud, elles étaient assises à un carrefour, je sais pas quoi, là. Et en train de retirer leurs t-shirts, de blabler. Moi, je suis un peu gêné, je suis curé quand même. Donc du coup, j'ai mon chapeau, j'ai mon bâton, j'ai mon sac à dos, ma coquille. Et je vois ça, donc je vois pas ça. Je baisse la tête et je dis « Oh là !» et je trace. Et là, elles se mettent à rigoler. Ils se mettent à rigoler, tous les quatre. Ils se mettent, mais vraiment à rigoler. Moi, je suis vexé, je dis « Pfff, et alors ?» Vous n'avez jamais vu un pèlerin pudique ? Non, ça m'énerve, quoi. Je trouvais ça nul. Bah, ils ont rigolé du fait de mon attitude, je pense, qui n'était pas. Je me suis pas arrêté à blablabler. J'ai baissé la tête, un peu gêné, voilà. Mais bon, je me dis, bah, c'est pas grave, ils comprennent rien, voilà. J'avance, je continue à marcher 1 km, 2 km, et j'arrive à un carrefour. Et là, bah, elle est où ma flèche jaune ? Pas de flèche jaune. C'est bizarre, bah, ils ont dû oublier de mettre la flèche jaune à ce carrefour-là. C'est pas grave, je continue à marcher. J'arrive à un deuxième carrefour. Toujours pas de flèche jaune. Je me dis, il y a un problème. Je reviens sur mes pas et j'arrive là où il y avait le groupe de jeunes. Et là, je remarque que il y avait un énorme caillou avec une grosse flèche jaune sur la droite. Il y avait un gars qui était assis dessus. Il y avait un autre panneau avec une énorme flèche sur l'arbre. Et il y avait une nana, enfin une fille qui était debout devant. La morale de l'histoire, c'est que c'est la seule fois dans ma vie de prêtre où le fait de ne pas regarder une femme m'a fait perdre mon chemin. Quelques jours plus tard, j'arrive à la moitié de mon chemin de Saint-Jacques, et là, je suis hyper fatigué. Et quand on fait chemin de Saint-Jacques, le chemin le plus traditionnel, c'est celui qui passe dans la vallée, parce que c'était l'ancienne route. Mais aujourd'hui, ils ont fait des déviations, qui sont plus sympas, qui passent par la montagne, pour que ça soit plus GR, si vous voulez. Là, ce jour-là, j'étais hyper fatigué, donc la majorité des pèlerins sont montés par en haut. Moi, je suis passé par la route, qui est moins belle, mais bon. Ouais. Et je suis arrivé, évidemment, le premier au refuge, souvent. On est un peu une communauté en marche, on essaye de rester seul, mais souvent on fait des amitiés de ça, donc je faisais esprit de casser les amitiés, mais de partir plutôt plus tard, pour pas être tout le temps avec les mêmes, voilà. Mais bon, on est quand même une ville en marche. Et j'arrive dans ce refuge beaucoup plus tôt que toute la masse des marcheurs qui vont arriver beaucoup plus tard. Donc il est à peu près, je sais pas moi, à peu près 1 h de l'après-midi, je me pose, je m'allonge, je commence à faire la sieste. Et les marcheurs sont arrivés vers 4-5 h. Et là j'entends un groupe d'Italiens qui arrive en vélo. J'espère qu'il n'y a pas d'Italiens parmi nous. Ils étaient habillés en truc fluo, tu vois, le machin qui te moule de partout, les lunettes de soleil, le vélo, tu vois. Hey, regarde, viens d'accord, oh, gonna fight, ils hurlaient, ils arrivent, ils jettent leur sac dans le truc et tout. Mais non, c'est pas possible, mais Seigneur, mais tu parles de pèlerins, les mecs, ils profitent en fait, ils profitent d'être sur les structures du chemin avec des logements, etc. Et ils n'ont rien compris.
ils font du vélo, ils sont dans leur machin, la mode, la fashion, machin truc. Mais c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est mon sac à dos, mon bâton, ma coquille, marcher au pas du Seigneur, tirer mon chapelet sur la route. C'est ça le chemin. Ils ont rien compris, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Et en plus, il y en a un des responsables qui arrive à côté de moi, il y avait un lit vide, il me dit, mais pour sûr, mettez les quoi, quand t'as t'es. Ouais, je peux mettre à côté de toi. Ouais, j'ai dit oui, mais j'avais dit. J'étais pas content. Je faisais la tête. Et j'avais lavé mon clergyman qui était en train de sécher. Donc ça ne veut pas que j'étais prêt. Et là, le soir, vers 19h, le gars qui est à côté de moi, il se lève et il dit vuoi venir, là, ils avaient juste remarqué que je parlais italien, vuoi venir la mangiare la pasta con noi, tu veux venir manger les pâtes avec nous? Je dis ouais, ça sera au moins ça de prix. Voilà. Je vais avec eux, et quand j'arrive, ils me regardent, ils voient que j'arrive avec un clergyman, ils me disent oh, ma sei prete. Mais tu es prêtre. Oui. Ma c'est comme noi, tu es comme nous. Vous êtes prêtre? Non, non siamo prêtres. Ma siamo dans une communauté fondée par un prêtre. Non, nous ne sommes pas prêtres, nous sommes une communauté fondée par un prêtre. Ah bon? Si, une communauté d'ex-bocati. Une communauté d'anciens drogués. Et là, il m'explique. On a été ramassé par ce prêtre juste avant l'été. Certains d'entre nous, ça fait 2-3 mois qu'on a décroché. Père, on va arriver à Saint-Jacques. On est parti de Rome en vélo. On va y arriver. On fait 50 km par jour. La drogue nous sort par toutes les peaux de notre corps. C'est dur, mais on va y arriver. Et le gars qui était l'animateur était un ancien drogué, sevré. Et c'est lui qui s'occupait de ce groupe de 12 jeunes. Je me suis pris la plus belle claque de ma vie. J'étais bouleversé. Je me suis dit, mais René Luc, qu'est-ce que tu es minable. Tu juges aux apparences. Le Seigneur, lui, juge au cœur. Tu te prenais pour un bon pèlerin avec ton sac à dos, ton bâton, tout ça. Mais regardez, eux, c'est des vrais pèlerins. Alors, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le look où je m'attendais, mais c'était extraordinaire. Ils me disent, padre, ma quando dici la messe? Père, quand est-ce que tu dis la messe? Je dis, ça dépend des rencontres. Je peux la dire soit le matin, soit... Je dis tous les jours ma messe, mais en fonction des rencontres, ils me disent... Tu peux la dire demain matin, avant qu'on parte à 6h. Mais oui, avec grand plaisir. Et j'ai dit la messe pour eux, et j'ai toujours gardé, c'est un précieux trésor pour moi. J'ai un papier que j'ai toujours dans ma valise chapelle. Là, je ne suis pas venu avec parce que les messes étaient prévues. Mais sinon, je me l'aurais fait voir. Il y a écrit leur nom, ils ont écrit à la main. Dans mon livre, Dieu en plein cœur, là, je le raconte cette histoire. Et j'ai tous leurs prénoms et leur nom de famille. Et chaque fois que je dis la messe en vacances, je redis toujours à l'offertoire ces prénoms-là, pour deux choses. D'abord, je présente au Seigneur à travers eux tous ceux qui sont des addictions et qui veulent en sortir. Je ne présente pas tous ceux qui sont des addictions, et il y en a peut-être parmi vous. Des jeunes qui ont des addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la pornographie, ça peut être les jeux vidéo. De plus en plus de jeunes de votre génération connaissent ces addictions-là, qui sont beaucoup plus difficiles à détacher que ce qu'on pense. Ça peut être aussi les écrans, de toutes sortes. Le fameux temps d'écran. Des addictions. Alors je ne parle pas de ceux qui n'ont pas conscience, je parle de ceux qui parmi vous ont conscience qu'ils ne sont pas libres. Et qui disent à Jésus, mais casse-moi cette chaîne. Et pourtant ils ont l'impression que ça fait des mois et des mois et des années qu'ils demandent ça à Jésus, ils ont l'impression que ça ne marche pas. Que Jésus vous donne peut-être aujourd'hui une clé, hein, à travers les rencontres que vous ferez notamment, que partage avec des prêtres. Donc je prie pour ça. Je prie pour ceux qui ont des addictions et qui veulent en sortir. Mais je prie aussi et surtout pour... que jamais plus, comme prêtre, je puisse juger quelqu'un sur l'apparence. Et je demande toujours à Jésus, convertis mon regard. Ne sois pas de ceux qui jugent. Il y a trop de mal qui vient du jugement et de la critique. C'est terrible. Il faut, oui, c'est vrai, avoir le sens critique du discernement, mais bannir de notre vie tout esprit de critique. Voilà. Voilà pour le chemin. Et donc, du coup, Quelques jours plus tard, je continue à marcher et un jour je trouve dans un refuge, j'entends parler d'un petit refuge tenu par des Italiens justement, qui est une petite chapelle dans laquelle il peut y avoir qu'une dizaine de places, pas plus. Et j'arrive dans cette chapelle et là il y a un accueil magnifique, il nous lave les pieds quand on arrive, il propose une petite bénédiction quand on repart, j'ai célébré la messe avec eux, c'était incroyable. Et là il y a deux jeunes, Davidé, parce que je ne me rappelle plus son autre nom, mais ce n'était pas Davidé. Et ils sont tous les deux là, un est irlandais, l'autre est anglais. Et
Nils était d'origine indienne, il était en Angleterre, et l'autre était irlandais. Et tous les deux ont un parcours irlandais un peu plus catholique de tradition, et Nils un peu plus touché par la religion hindouiste, par ses racines. Et donc ils demandent, est-ce qu'on peut marcher avec toi demain? Je dis oui, bien sûr. Et ils me disent, René Luc, peux-tu nous dire pourquoi la religion catholique serait la bonne? Pourquoi ça serait elle? Pourquoi ce serait toi qui aurais raison, en fait? Parce que moi, je suis indien d'origine, lui, il est irlandais parce qu'il est né en Irlande. Après tout, tout dépend de notre naissance, c'est vrai. Mais il y a une part de vrai dans cela. Mais pourquoi ça serait... Et là, je commence, au lieu de leur répondre, je commence à leur raconter les Écritures. Et je pars depuis Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus. Je raconte toute l'histoire. Et j'arrive notamment à ce passage, cet évangile magnifique de Saint-Luc au chapitre 24 d'Emmaüs, où Jésus marche avec les deux disciples d'Emmaüs et comment, par la Sainte Écriture, il va leur expliquer qu'il était prévu qu'il ressuscite d'entre les morts et comment il s'est fait reconnaître à eux au moment du partage du pain et du vin. Et comme je leur raconte tout ça, ça faisait déjà 4-5 heures qu'on marchait ensemble. C'était magnifique parce que vous savez, quand on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, le soleil est dans notre dos. Donc on voit notre homme devant, c'est notre vieil homme. Et quand on revient de Saint-Jacques, le soleil est face à nous, donc on est vers la lumière et notre homme est derrière. Donc c'est symbolique qui est très très belle. Et donc, puisque c'était des ombres et que j'avais mon bâton, mon chapeau, et tous les deux, on avait l'impression vraiment de revivre un épisode biblique. C'est-à-dire, il y avait dans une ombre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de couleur. L'impression que voilà, c'est trois personnages qui marchent. Et à ce moment-là, on s'arrête. Je venais de tout leur expliquer, la résurrection du Seigneur, etc. Et là, Nils s'arrête, on s'arrête tous les trois, et ils me disent, mais René Luc, mais Emmaüs, c'est maintenant. Et c'est vrai que c'était un moment incroyable qui m'a beaucoup touché. Eh bien, tout ça, c'est pour vous dire qu'ils sont arrivés sur le fait que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 18, non pas parce que j'ai comparé avec d'autres religions, mais parce que je leur ai annoncé qui était Jésus. Et donc j'en arrive à ça. Les quatre chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien c'est peut-être qu'ils se réunissent finalement à un seul chemin quand on arrive en Espagne. Oui, les quatre grandes religions. Le judaïsme, l'hindouisme, le christianisme et puis plus tard l'islam ont chacun une étincelle, comme le dit le pape Jean-Paul II, une étincelle de la vérité. Chacune a une part de vérité. C'est très important de le penser parce que sinon, on a une attitude qui n'est pas juste, même envers l'islam, vous voyez, qui peut nous décontenancer. Je ne dis pas que l'islam est la vérité. Je dis qu'il y a une petite étincelle, il y a quelque chose. Mais à un moment, ces chemins-là nous amènent sur un seul chemin. C'est le chemin de Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Je ne suis pas convaincu parce que je suis bien né en France et que je suis catholique et que je me suis converti. J'en suis convaincu parce que c'est lui qui l'a dit, c'est tout. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il ne peut pas y avoir. Donc je peux, c'est ça qui est incroyable, je peux parler à mon frère musulman de ma foi en le respectant pleinement parce que j'accueille chez lui l'étincelle qu'il a et je lui propose ce qui est le chemin de la vérité et de la vie. Peut-être qu'il n'accueillera pas, mais c'est pas du tout lui manquer de respect que de lui parler de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et s'il n'accueille pas, s'il s'énerve, etc., ben j'insiste pas. Mais pourquoi ne pas lui parler de ce chemin de la vérité et de la vie? Et ce qui est très grave, c'est lorsqu'un chrétien est tellement convaincu qu'il a le chemin de la vérité et de la vie, qu'il ne veut même pas parler aux autres, dire, mais non, mais c'est nul, quitte ta religion, t'es hindouiste, t'es juif, t'es, non, c'est nul. Ah, puis, c'est fini, ça c'était... Mais non. Si je regarde mon frère qui a une autre religion, en étant persuadé qu'il y a une étincelle de la vérité chez lui, mon cœur est totalement différent. Je suis ouvert au partage. Je suis dans l'écoute. Si jamais je n'y crois pas, je ne l'écoute pas. Si je ne l'écoute pas, alors je ne l'entends pas. Si je ne l'entends pas, ce n'est pas la peine que je lui parle. Et c'est un grand problème. Moi, j'ai eu dans ma vie de jeunes séminaristes rencontrer certains confrères séminaristes qui étaient hyper remontés contre mes frères juifs. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était leur tradition, leur culture, leur éducation. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais c'était les années 80, c'était violent, quoi. J'avais l'impression que c'était... Ouais, il fallait parler des Palestiniens de Yasser Arafat, mais il ne fallait surtout pas avoir de l'amitié pour les Juifs. Et je ne parle pas du sionisme d'Israël, je parle juste de mes frères juifs, de la religion juive, c'est tout. Oh là là, c'était dingue. Bref, non. Vous voyez, soyons tous réunis sur un seul chemin. Vous tenez encore le coup? Eh bien, il ne me reste plus qu'une dernière parole, il me reste 5 minutes, parce qu'après, il faut que je parte, je suis désolé. Si vous êtes encore courageux, ça va? Ma dernière parabole, c'est sur
ce qui me fait vivre. Et ce qui me fait vivre, c'est l'oraison. Je vous ai dit que j'ai fait un mémoire de spiritualité avec Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et le thème de mon mémoire de spiritualité, c'était l'action du Saint-Esprit dans le passage des 3e au 4e demeure. Ceux qui veulent en savoir plus, allez bouquiner. Voilà. Alors, parler de l'oraison, c'est compliqué. Un jour, je vais à Pudunau faire une messe télévisée. Donc j'arrive à Pudunau, je fais cette messe télévisée. Je salue notre frère dominicain que j'ai rencontré tout à l'heure, je peux oublier. Voilà. Et après la messe, l'après-midi, j'ai un copain qui a un bateau, qui fait du voilier, et qui me dit, René Luc, est-ce que tu veux venir faire un tour de voilier? Et moi, à l'époque, c'était, bon, aujourd'hui, je vous ai dit, je fais depuis 2013, je fais pas mal de kitesurf, donc je suis un peu plus habitué au milieu de la voile, et tout ça. Mais à l'époque, je faisais pas de voilier, je connaissais pas trop. En tout cas, je connais le kite, mais je connais pas le voilier. Et donc, du coup, il y avait très très peu de vent. Nous, il nous faut minimum 10 nœuds. Aujourd'hui, je fais du foil, donc c'est plus facile, c'est un miracle. Je vole sur l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de fou, quoi. Tu es sur une planche et elle se soulève et puis tu traverses les eaux. Donc, avec 5-6 nœuds, enfin, j'exagère, 7-8 nœuds, on navigue vraiment fort, quoi. C'est un truc de fou. Mais sinon, en kite, il faut minimum 12-13 nœuds pour commencer à vraiment naviguer. Et là, on sort en bateau, je pense qu'il y avait 4 nœuds devant. Rien. Vraiment un pétole, comme on dit. Donc on monte sur le bateau, il allume le moteur, vous savez que c'est étrange, mais on peut avoir un grand voilier sans avoir de permis bateau, même un énorme voilier, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un tout petit moteur, et ça fait que du coup on peut ne pas avoir de permis bateau avec un voilier. Donc ça c'est ça bizarre, mais c'est comme ça. Il part, on sort du port, il arrête à la sortie du port, il éteint le moteur, et il monte les voiles de son bateau. Et là, il prend la barre. Et le bateau, avec à peine 4 nœuds devant, commence à tanguer un peu. Et avance tout doucement, tout doucement. Il me dit à un moment, René, tu veux prendre la barre? Oh ouais, super, ouais, ouais. Je prends la barre, je la bouge de 1 cm, je vois les voiles, ils font plus de vent. Donc c'est vachement compliqué hein, de tenir la barre d'un bateau, barrer un bateau pour bien garder le vent. Donc je reprends la barre parce que je dis, oh, j'arrive pas, mais je suis quand même fasciné. Je dis, ouais, avec si peu de vent, ça avance. Et puis d'un seul coup, je vois un bateau au loin, qui avance pas plus vite que nous, mais pas du tout dans la même direction. Alors ça m'intrigue quand même. Je dis, mais dis-moi, je comprends pas, ce bateau là-bas, il a bien le même vent que nous. Comment ça se fait qu'il est pas dans la même direction? Non, mais là, tu vois pas, mais en fait, il triche. Comment ça, il triche? Il a mis la voile, mais en fait, il navigue au moteur. Ah, d'accord, je comprends tout. Le mec, il trichait complètement. Maintenant, je vais comparer notre vie, l'avancée, notre bateau à notre vie personnelle, ça c'est le bateau, c'est ta vie, c'est ma vie, d'accord? Eh bien, trop de chrétiens naviguent toute leur vie avec un bateau à moteur. Ils passent leur temps à chercher du pétrole, à le remettre dedans, sans même tenir compte des éléments que Dieu nous donne. C'est-à-dire que si je commence ma journée sans dérouler, les ailes, les voiles qui sont sur mon bateau, je suis comme quelqu'un qui, dès le matin, elles vont tirer à fuir. Alors qu'en fait, des fois, tu as du vent énorme, le Seigneur veut te faire pencher ton voilier, il veut t'entraîner au large, etc. Et tu ne fais rien. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire systématiquement? Tous les matins, la première chose qu'on doit faire, c'est je me mets en présence de Dieu, je m'arrête, je défais. Alors moi, je fais ça tous les matins, et les jeunes de Camille sont formés à ça. Très simplement, on fait une heure d'oraison tous les matins, enfin, d'oraison devant le Saint-Sacrement. Voilà, c'est un peu, chez nous, on fait plutôt oraison adoration, mais bon, peu importe. L'idée, c'est quoi? Je me mets au contact de la parole de Dieu, et là, je défais les voiles, je hisse la voile, et je laisse faire. Peut-être qu'il y a des moments où je vais sentir la présence de Dieu, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir fait ça tous les matins me donne une sorte d'assurance que j'ai fait ma part pour que Dieu fasse sa part. Et alors, vous ne pouvez pas faire une heure d'oraison, j'en suis absolument convaincu. Mais vous pouvez tous prendre, ne serait-ce que 5 minutes, en présence de Dieu. Vous mettez à genoux au pied de votre lit, vous mettez assis, comme vous voulez, ce que vous préférez. Mais surtout, les garçons, au milieu de vos caleçons et de vos chaussettes sales, faites un peu de ménage, là. Vous mettez en présence de Dieu, et vous dites, Seigneur, cette journée-là, je ne veux pas la vivre avec un bateau à moteur. Je veux te laisser la possibilité de souffler dans mes voiles. Et moi, toute ma vie, je suis surpris par la puissance de Dieu, qui est comme un souffle puissant. Et à la fois, c'est un souffle léger. J'aime beaucoup Élie, qui est un grand saint du Carmel. Quand il arrive sur le mont Horeb, qui est d'ailleurs le même mont que le mont Sinaï,
quand il a la présence de Dieu, c'est pas du tout dans la puissance. C'est pas du tout dans le tonnerre. C'est une brise légère. J'aime bien faire un jeu de mots, c'est une bise légère. Dieu est dans la délicatesse. Dieu ne se manifeste pas dans des ouragans par de la violence. Mais pour que tu puisses saisir cette bise légère, cette brise légère de Dieu qui est de quatre nœuds, commence par élever les voiles. Alors pose-toi la question. Comment ? Alors moi, je suis plus du matin, peut-être ce sont plus du soir, et j'ai un peu tendance à encourager les jeunes à faire ça le matin, parce que c'est une manière de confier toute la journée. Voilà. Et peut-être certains, vous n'êtes pas du tout du matin. Voilà. Comment je donne ce petit temps au Seigneur ? Il y a un moyen que je donne à mes jeunes de Camissio, c'est de s'abonner pour 19 € par an, c'est vraiment pas cher du tout, à Magnificat, mais il y a d'autres choses, hein, il y a Parole et Prière, il y en a d'autres, moi j'aime bien Magnificat, parce que c'est une petite liturgie adaptée aux jeunes, très simple, un seul psaume qui nous connecte avec la liturgie d'église, le Saint du jour. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire tout, mais au moins, voilà, un petit bout de prière. Seigneur, je te remets cette journée, je me mets en ta présence, j'hisse les voiles de ma vie, et je te demande de souffler. Et j'espère vraiment que pendant tous ces 2 jours que vous vivez ici, sous la protection de notre bonne Marie, la Vierge Marie, eh bien, vous puissiez vraiment avancer au large dans toute votre vie. Et je conclue avec une petite histoire que je pique aux Dominicains. J'imagine que par la grâce du Seigneur, je ne meurs que dans 80 ans. Moi. Donc, a priori, vous serez mort avant moi. A priori. Donc, j'arrive au ciel dans 80 ans. La première chose que je fais, c'est de chercher toute l'assemblée qui était présente à Mandeure, en particulier les évêques. Je les cherche tous, les prêtres, les évêques, les séminaristes et tous les jeunes qui sont ici. Et j'en vois aucun. Alors là, je suis quand même très étonné. Si ils avaient l'air tellement attentifs, puis c'était des évêques, c'est pas rien quand même. Mais comment ça se fait qu'ils soient pas là, quoi ? Quand même, c'est troublant. Alors, je vais voir Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, tu sais, là, je viens d'arriver, puis j'avais trop envie de revoir tous les évêques, les prêtres, les séminaristes et les jeunes qui étaient en Mandeure. Je comprends pas. Je cherche leur visage, j'en vois aucun. Ah, ne fais pas de soucis. Maman ! Et là, il y a la Vierge Marie qui est un peu plus loin, qui a un énorme manteau. Ouvre ton manteau. Elle ouvre son manteau, et vous étiez tous cachés dedans. C'est ce que je souhaite vraiment. Bonne continuation à tous.